Déjà, c'est chargé, moi. Attends, dog est pas mal là. Un dog est pas mal, c'est close. Un dog est vraiment pas mal, les gars. Il met un petit mineur. Attends, c'est la fin du temps réglementaire ou pas? Ou ça part en temps? Non, ok, ça part en extra. Défi méga tirage, c'est l'avant-dernier match ça ou c'est le dernier match? C'est le dernier normalement. Enfin, moi je sais que c'est ma dernière game méga tirage. Ah ouais, c'est le dernier match. On a touchdown, 1v1 classique et ensuite. Ah Amine il attends, fait il y en a son un dernier autre. match là. Il y a touchdown, amical en tirage, classique et méga tirage. Là on gagne d'un point. On gagne d'un point là, ce serait. Allez, Dog il va gagner là. Allez, une auto. Allez, encore une auto, une dernière. Let's go, Dog. Oh non, c'est Alvaro! T'es du mauvais sens! Oh, pas let's go du tout! C'est bon les amis, j'ai gagné tous mes combats! GG! J'ai John Alvaro, pas Dwag les gars! C'est ça qu'on veut, GIG! Vous avez gagné ou pas? T'as gagné Kamel? Mais moi je suis toujours en 1-2 là, Mais on j'attends. vous attend, nous on est groupe Ah 2 ouais, vous frérot. attendez, On attend en putain! fait, on attend pendant Mais votre match. on t'a vu gagner! Putain, GG ça! C'est qui gagne pour l'instant? Là c'est re match nul, là toi qui Là il y va a perdre. 19-19 là. 19-19! Ouais. Putain! Aïe! Gotha l'infiltré, putain, je suis Amine il est espagnol en en fait, les gars. 19, Amine, il est en c'est très 3-3, faut serré. qu'il gagne là, faut qu'il fasse 4-3. Ça veut dire toucher de l'herbe. Et ça veut dire quoi ça, hein? Pourquoi il m'a dit touche de l'herbe? Eh Amine, j'aime trop, il prend que des cartes basiques, il a raison, c'est comme ça qu'il faut jouer. MDR, il croit quoi lui? Ça veut dire. C'est une insulte, ça? Non. Ça veut dire qu'il a le seum? Non, ça veut dire en gros sors dehors quoi. Ah! En mode va te laver! Ouais, c'est ça, en mode va dehors quoi. Il Je suis mort. Faut qu'on les batte, hein. Les gars. Kamel, faut qu'on les batte Frère, au t'inquiète, moi je vais foot gagner et là. aussi à Clash Royale. Ils vont avoir trop le seum. En fait, il faut que je fasse comme Amine, je prends Ah, que je des peux cartes lynch que je moi. connais en Bon, vas-y, fait. moi je vais lancer, les gars. Ah, jure, ça joue pour nous? Bah, moi sur Discord, il y a marqué dans mon chat que je peux lancer. Vous pouvez lancer vos matchs. Ah ouais, ok, bon. Putain, comment on quitte le spec? Du coup, c'est quoi déjà? Touchdown, bordel. Combat de tirage du touchdown, c'est Ouais, c'est ça? là. Ouais, j'ai les gars. Vas-y. Le chat, j'ai besoin de vous pour le touchdown. Oh putain de merde. Joue cochon. Tout ce qui est cochon, je les prends. Merde, c'est quoi ça? Bah boule de feu déjà. Je connais. Les trois gardiens. C'est droite ou. Le. Bah. Le mec avec. Le chien? Droite, ok. Gauche? Après, je lui donne la carte de droite, elle counter ma carte de gauche. J'ai gagné? Oh, j'ai cru que j'allais me faire rattraper sa mère. Ça tue ça ou pas? Non, j'ai troll sa mère. J'ai gagné encore.
Ander le level en face. Je mets le grand dragon, il peut pas jouer, wesh. Je vais pas le mettre direct. Ah si, là, je vais le mettre direct, frère. Le level. Chevalier cochon, comme ça, il défend. Et après, je mets le mec à droite, là, le dragon de zinzin. Attends, mais il l'arrête pas. Comment je l'arrête, lui? Merde. Tesla, ok, merde, ok, ok. Non, mes frères! Mes frères! Il me faut le gros dragon dès le début. Ok, il a troll, j'ai gagné, je pense. J'ai clutch. La boule de feu parfaite, les amis. La boule de feu parfaite. Let's go. Oh, la boule de feu, mon gars. T'inquiète, je savais que c'était tout dans la boule de feu. Let's go. Ah, ça dit quoi? Ça dit quoi? On est des joueurs de touchdown, nous. On est des joueurs de touchdown. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Nous, c'est touchdown. Ah, je suis trop heureux, la vidéo est mère. Je pensais que j'avais perdu. Je pensais que je me faisais remonter. Let's go. Oh, la boule de feu de légende. Oh putain, t'es trop gaze par contre, t'inquiète, ça m'atteint pas, je m'en bats les couilles, je sais que je suis nul. Combat amical en tirage. Oh non, pas ça, frère. Bah déjà, j'ai gagné deux maps, c'est bien, c'est excellent, frère. C'est excellent. Combat amical en tirage, hein. On va t'aider à choisir, écrivez droite-gauche à chaque fois. Combat amical en tirage. D ou G? Vas-y, D ou G? Vas-y, au calme, au calme. Tout à l'heure, il a dit faut pas jouer le truc à droite, donc je lui donne. Ah, mais vous êtes pas d'accord entre vous, bande de chiens? Vas-y, je prends Zeus. Le mineur. Ça, c'est quoi, ça? Colis royal. C'est que ça doit être bien, frère. Je fasse gaffe à son fût de gobelin. C'est def, ok. Ok, il a mis un géant. C'est AOE ou mono-cible? Wesh, il a troll son truc de gobelin. C'est du one shoot. Je suis bien la team là. Petit bélier de combat ici. Pour ajouter de la pression. Mineur à gauche, à droite pardon. Et là il est dans la merde, il sait plus quoi faire en face. C'est trop l'humiliation.
Quelle humiliation! MDR, le level du joueur en face de moi. Comment j'ai perdu des maps contre ça? Ah, je vais devoir ce que ça fait, ça, colis royal. Brrr, bah! MDR. Les rois des golems contre moi. MDR, le level! Le level! En full attaque, je veux le 3-0, moi, je veux la tour. Je l'ai arraché! Deux games d'affilée! T'es le boss, mec, t'es le boss. C'est mon petit! C'est mon petit! le score, je sais pas où on en est, les potes, je vais regarder. Moi, j'ai perdu 3 games là. J'ai pas été bon là sur la suite. C'est pas grave, t'as fait 4-3 au final. Ouais, 4-3. Moi, je suis en train de l'éteindre, la vie de ma mère. Eh, le chat! Je vous avais dit quoi? Ouais, Inox, attends, mais Inox aussi, il a éteint Rubius. Il l'a mis après, 6-1, Rubius et Inox, c'était pas le même niveau. C'est comme Greff et Gotha, je crois. Ok. Parce que là, 6, hein, frère. Après, c'est quoi? Après le tirage classique, attends. Touchdown. C'est quoi, deck classique? C'est des decks au hasard, c'est ça? En gros, ouais, c'est des decks qui ont un petit peu marqué le jeu et du coup, ça va te donner un deck aléatoire parmi ces decks-là. Vas-y. Vas-y, je me remets dedans, je me focus. Vas-y. Eh, le chat! Je vous avais dit quoi? Il me fallait juste quelques games pour remettre dedans. Imagine si j'avais joué une heure. MDR. Mais après là, c'est bonne chance. Là, je connaîtrais pas le deck là. Ok, ça repart. Je me focus, les gars. Je vais mettre Olaf. En fait, je sais pas ce qu'il fait Olaf. Oh non, pas lui, frère. Là, j'ai mis tous mes sorts comme ça, ça fait de la roue, c'est pas mal, je me dis. J'ai rien pour le gérer, le poteau là. Mais je fais quoi contre ça, les gars? Je peux rien faire contre ça. Mais ouais, frère, j'ai pas eu de chance. Voilà, j'ai pas eu de chance. C'est quoi ce truc de ouf? Le gros golem contre lui, il l'arrache, non? Oh, le deck de... Non. Bah, je sais pas quoi faire contre lui alors. Eh non, le gros golem, il avance juste. J'ai rien pour le gérer, frère. J'ai la gargouille qui le gère. Ouais, mais c'est perdu. C'est perdu, frère. Mettez-moi mon deck. Mais c'est aléatoire. Vous avez dit quoi? Mes frères, c'est aléatoire! C'est pas fini, il a beaucoup investi là. Il a beaucoup investi le poteau.
Je fais shot la tornade, hein. J'ai pré-shoté et tout en plus. La vie de ma mère. Non, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Non, mes frères. La troll au début, ouais, mais je connaissais pas mes cartes. Je connaissais pas mes cartes. Il avait un deck trop facile à jouer. La vie de ma mère, c'est vrai. Non, mais là, c'était aléatoire, là. Là, c'était aléatoire. Tous les autres, j'ai gagné. Attends, c'est quoi après? Méga tirage. Oh non, pas ça. C'était aléatoire, c'était aléatoire. Je vais gagner le méga tirage. En fait, je sais pas comment le gérer, le mec bien costaud avec les éclairs là. J'avais que la gargouille pour le gérer. Mais le problème, c'est quand je mettais la gargouille, il mettait la sorcière des ports derrière. Putain. Foudre. T'as le one shot foudre? Belle avec la batterie. Mais je suis bien, les gars, j'ai combien? 12%, mais s'il vous plaît, restez serein. Restez serein. Il n'y a pas le phénix là. J'ai pris feu à gobelin, sa mère. En fait, la reine, je sais pas ce qu'elle fait, les gars. Je vais prendre mini PK après. Prends Valkyrie. C'est celle tout en haut à 4? Oui. Et de suite, frère. J'ai pris mini PK. Foudre, c'est le truc qui coûte 6? Ok, il me faut de l'anti-aérien là. Il me faut de l'anti-aérien de baiser. Il y a le bébé dragon, il est où le bébé dragon? Il me le faut. Il a pris les cochons volants. Il est pas là le bébé dragon, frère. Je sais pas ce qu'a comme dragon lui, mais j'espère il est fort. Sinon, je reprends Zeus, hein. Il fait quoi ce dragon? Cochon avec Valkyrie, c'est broken. Mais y a pas le cochon là. Et il va me faire le cul. Je vais prendre les barbares à 3 là. TDE, vite. TDE, c'est quoi? C'est la truc à 5, la tour? Tornade. Je pense que c'est pas mal, Tornade, contre ça. Il a que du rush. Tornade, c'est pas mal, non? Et là, je prends les gardes à 3, là. Je prends les gardes à 3, après. Il a pris séisme. Il a pris le mineur, ok. J'ai pris les gardes à 3. Pour défendre ses offensives. Ça me va, la une armure ça me va. J'ai mon PK là-bas.
Je sais pas, il fait quoi ce cochon, les gars? J'ai électro-dragon. Bonhomme de légende, non? Ah, j'ai troll avec le gobelin. Je suis dans la merde, la team. En vrai, ça va, en vrai, ça va. Je suis dans la merde, la team. Merde! Ça a pas fini? J'ai une belle attaque là à droite, hein. Let's go! Merde! Ouais! Eh oui, poteau! Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi, le chat? Je vous avais dit quoi? C'est gagné, j'ai gagné mon match-up! J'ai gagné mon match-up! J'ai gagné mon match-up, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Vous avez dit quoi? Hein? Il a ri la première tour, il a cru c'était gagné! Eh, lâche ça, poteau! Fallait juste que je m'adapte à mon deck, c'est tout! Eh oui, poteau! Ça va être énormément aléatoire. Let's go! Bien joué! T'as gagné, Amine? C'est moi, c'est Kamel. C'est Kamel, c'est Kamel. Ah, c'est Kamel. J'ai gagné. T'as gagné ton 1v1-4-3, GG. Je l'ai arraché. GG, Kamel. En plus, ça, sur le deck classique, j'ai pas eu de chance. La vie de ma mère, il avait le deck de fou, là, avec le mec électrique qui a des gros bras. Ah oui. Oui, je viens de voir. Ouais. Et moi, j'avais un deck bizarre. Ouais. Bah, toi, t'avais Golem, en fait, c'est un bon. Mais le problème, c'est que lui, ouais, il te counter directement, en fait, avec ses cordes. Moi, c'est finito. J'ai pris qu'une manche. C'est mieux que 0, en vrai, c'est mieux que 0. Ouais. Tu sais, mais jusqu'au bout, le jeu m'a mâché dessus. Hein. Ce qui paraît être dans le deck classique. J'avais le lockbait, à ce qui paraît, il a eu un deck classique ah oui, où il a 80 ans. Ah oui, il a eu le parfait. Ah oui. Oh, t'as pas de chance. Ah, jusqu'au bout, frérot, j'ai pas de chance. Ah oui, c'est 100-0, quoi. Bah, moi, deux fois en tirage, il a vraiment les tirages parfaits. Je peux absolument rien faire sur les games et il m'a battu une fois en méga tirage. Du coup, je l'ai un peu BM quand même. Parce que... Pour le 2v2. Ça va enchaîner direct. On prépare les decks. Je reviens, Inox, on prépare les decks après. Vas-y, ça marche. Vas-y, bah, tu me peux. Une game en cours là. Attendez, j'arrive. Côté Bibi, si vous êtes là, il me faut un chargeur d'iPhone parce qu'en fait, des fois ça charge avec le truc et des fois ça charge pas. Regarde là, ça charge et ça charge plus. En fait, normalement, je suis censé pouvoir jouer et charger en même temps. 11%, c'est large. Mec, de baiser même. Regarde, ça charge pas après. Et verrouille le tel. Ouais, je me dis avec un autre câble, peut-être. Mais à chaque fois, je mets autorisé, hein.
T'as juste à déverrouiller. Ça marche pas, frère. Après, si je le branche sur câble, si je le branche sur câble, il y a moyen que ça marche, non? Parce qu'en fait, là, il est branché sur le PC. Comme ça fout la merde. En plus, j'ai un chargeur juste à côté de moi, je suis en haut. Chargé à 10%. Ça marche, let's go! Yes, ça marche, je suis trop heureux, frère. Oh putain, je l'ai éteint. Je l'avais dit quoi? J'ai même pas fait l'heure de training. Putain, je suis trop heureux, frère. Ah, je suis trop refait. Je pensais que j'allais me faire 7-0. Et non, crame. Qui est lourd. Il y a combien du coup? 29, 26 là? 29, 26 pour nous. Il reste le match de Douag aussi. Ouais. Il joue là? Ouais, il est en train, il a lancé là contre Alvaro. Ils Tu sont en l'as train de choisir arraché les cartes. ou? Ah, il choisit les cartes. Ouais. Bon, le problème c'est que c'est Alvaro en face. Mais en vrai, il lui a pris deux games, hein. Donc en vrai, c'est mieux que rien. Valkyrie, c'est pas mal, hein? J'avais oublié cette carte de fou. Ouais. T'as vu mon dernier Ouais. match? Tu devais t'arracher les yeux, je sais pas si tu l'as vu. Ah, j'ai pas, je suis arrivé à la fin, malheureusement, Ah je croyais que je suis arrivé à la merde. fin. Au début, je me faisais ratatiner. J'ai vu sur la fin, là, t'as pris le deuxième tour à droite. Ouais. Bouzy veut rien comprendre. 7-0, frère. En même temps, l'adversaire, il est vraiment en dessous de lui. Hein. Mais je pense qu'on va aller 5-0 en 2v2. Hein. Vous affrontez-vous, Christine Inizo? Ouais, en vrai, de vrai, ouais. En vrai, de vrai, ouais. Touchdown, je me suis chié dessus, frère. Je gagnais 2-0, hein. Il commence à me Ouais. comeback, je devenais fou. Je pense que c'était le match le plus nul de l'histoire. J'avais un dra... Tu sais, le dragon qui coûte à 7, là. Un peu énervé. Je le mettais level 1 dès le début. Et il arrivait au bout. Et après, lui, il mettait le mec sur le port, là, qui court vite. Ouais, Et il arrivait au bout. ok. Ah oui, Il c'est... n'y avait aucun combat. Ok, je vois. J'ai pas de bâtiment. Allez, Dogby. En vrai, si Dogby gagne, les potes 30-26, on a 4 points d'avance, sachant que chaque 2v2 qu'on gagne, c'est 2 points, et chaque 2v2 qui gagne, c'est 2 points. Donc ça va être très important. Alors, le problème, c'est qu'avec Inox, on affronte Rubius et Biniro. Rubius, il est gaze de fou. Rubus, il est à vomir, frère. Ouais, en vrai, il y a moyen de faire un truc. Ok, c'est pas mal Doc Bilan, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout même Doc Bilan. C'est excellent ce qu'il vient de nous faire. Pourtant le mec en face en vrai il a pas un deck horrible sur le papier. Pour l'instant il se fait un petit peu éteindre. Oui les potes là vous pouvez pas nous regarder in-game, c'est sur un compte démon en fait. Donc c'est un compte à part. On va dire serveur privé, pour faire plus Il simple. coûte que 4, il a l'air solide, hein. Ouais, c'est un champion. Oula, le mini PK à droite. Ok, je suis pas. Oh non, je suis pas fan de. What? Mais il fait quoi? Ah ouais, mais non. Là, il vient sûrement dû donner la win en fait. Il a pré-shot un poison. Bah, je sais pas, hein, il a mis un poison devant. Je pense qu'il voulait pré-shot les gardes, mais. Enfin, en fait, son mini PK, il était bien pour défendre le col. Ok, il l'a cyclé. Ah, mais il a plus rien pour gérer les. Il perd la tour là. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. À moins En fait, que. il était bien dans la game, il a. Ouais, il perd pas la tour, mais il prend très très cher alors que vraiment il avait un avantage de fou. En fait, il avait juste à attendre le mec en face et il a paniqué. Ouais, je sais pas pourquoi il est parti à droite comme ça, genre. Ok, la contre-attaque, elle est bonne là. Il sait qu'il a une capacité avec le chevalet d'or.
Ouais, il sait ça, pas qu'il ça est fait cap, quoi là, chevalier. En gros, la capacité du chevalier d'or, la carte A4 que t'aimes bien là, en gros, il court tout droit. Il court tout droit et dès qu'il voit une troupe, il dash dessus. Et quand il dash, il y a plusieurs troupes, il dash sur toutes les troupes quoi. Oh, par contre, le timing. Ouais, mais il va y avoir à 3 bombes. Ouais, allez, allez, l'artie. Allez. Okay, ouais, ça okay. peut défendre, non. Allez, allez, allez. Ouais, non, c'est loin la tour quand même. Oh, la boule de feu par contre. Ouais. Il n'y a plus rien. Non. Ça tape combien les golems? Ouais, ça va taper fort quand même. Hein. Puis en plus, ah, il met des dégâts quand ils explosent. Ouais, il faut une boule de feu, mais allez, gère au pont. Il y a un monde. Gère au pont fast. Et pourquoi il met son poison? Non. Ouais, ça sert à rien le poison là. Ouais, parce que là, il va juste recycler boule de feu, Alvaro, et se terminer. Dommage. Dommage le doigt, dommage. Putain, dommage. En vrai, il peut la win, hein. Il peut la win, hein. Je. Après frère, ça va. C'est comment les scores là? Là, il y a 29-27. 20 pour nous? Ouais, pour nous, pour nous. 27 pour nous, ouais. Pour nous. Yes, c'est... Vous savez, c'est quand on fait les 2v2? Bah, ça arrive là. Ça va bientôt, mais je pense qu'on a le temps de préparer nos decks, j'imagine, j'espère. Vous êtes en combien? Moi, j'ai fait mon deck. Moi, 4-3, j'ai... 4-3, moi, j'ai gagné. Moi, je suis en 6-1. 6-1? Ouais. Mais ouais, mais non, le Bouzou a mis 7-0 à son adversaire aussi. Le Bouzou a mis 7-0. Et toi, Walouf, t'es comment là? 4-3. Ah, t'étais contre un mec chaud, ça veut dire. Ah, lourd, on a tous bah, gagné. Bah, c'était le jour pour en face, quoi, donc... Et Billy, toi, t'es en combien, Billy? Et toi, Kamel? Moi, je suis en 4-3, j'ai gagné, mon frère. Ah, il a gagné, lui. Ah ouais. Eh, l'essentiel, c'est le score collectif. Ça c'est ça, on est une équipe, on est une équipe. Ouais, exactement. Waouh, magnifique ces paroles. Pour l'instant, on win, les gars, c'est ça qu'on veut. Combien, ouais. Combien 29-27. Ok, ouais, c'est juste. Alors par contre, pour les decks de V2, il faudra juste cacher les écrans sur les streams parce que les Espagnols, apparemment, de ce qu'on me dit dans le chat, c'est qu'ils vont... Ils vont aller zoner sur nos lives, quoi. Du coup, ils vont voir nos decks, ils vont s'adapter. C'est à peu près ça, quoi. Eh, Walou, écoute-moi, frérot, j'ai allumé DJ Mario. Mmh. Je l'ai allumé, je l'ai plus jamais rebattu et il y avait des Espagnols dans mon chat et je comprenais pas pourquoi il a son niveau augmenté de fou genre. Je dis pas comment c'est. Je pense que ça se trouve ils ont peut-être regardé ce que tu prenais comme carte etc. Et... Après. Ok. Ah c'est pour ça que t'as perdu Billy. Mmh. Moi le Walouf j'ai fait mon deck c'est bon. T'as pris quoi dis-moi juste à l'oral. J'ai fait gobelin serbacane. Boule de feu. Allô. Archer magique. Allo. Ah, t'as pris ton deck PK là, ton deck PK. Non, j'ai mis électro géant, fournaise et sorcière. Faut faire quoi les gars là? On va préparer nos decks. Fais de V2. Ton deck de V2. Bouzy, on joue quoi nous? Moi j'ai pris électro géant. Tu veux que je joue comme toi ou je dois prendre un deck différent moi? Moi j'ai et tornade. Deck, Prenez un peu. Prends un deck que tu maîtrises Kamel et on va se démerder avec ça peut-être. Et on enchaîne. Eh, je maîtrise tous les decks moi mon frère. Qu'est-ce qu'il y a Inox? On enchaîne direct les 5 games. Je sais, je pense que oui. Hein. Alors il y aura du tirage aussi. Alors tirage, par contre, bon bah c'est GL. Hein. Ouais, c'est à nous de jouer. C'est aléatoire quand même. Ah oui, merde. Ils sont partis dormir. Je prépare un deck aussi moi. Je vais cacher mon écran. C'est pas caché. Merde, j'ai montré mes decks. Non mais frère. This deck. T'es sûr. Ok, je change de deck. Allez, je prends ce deck là. Les gars, moi, de toute façon, je suis un joueur imprévisible. Ils peuvent pas me streamer avec mes decks. Moi, les gars, je sais jouer que un seul deck moi de toute façon. Moi je pense déclin. Je connais pas les autres cartes donc j'ai rien à faire. Mais il faudrait que Dogby se démute vu que t'es avec Dogby. Kamel, tu voudrais qu'on aille dans notre salon? Vas-y hein. Mais il me faut un deck là, il me faut un deck, n'importe quoi je prends. Ouais, tu conseilles quoi si moi je joue Electro Géant? Electro Géant, je pense qu'en fait il peut prendre Electro Géant aussi, tu vois. Vous prenez. Ouais. Prends l'Electro Géant avec une tornade. Et en fait le but c'est de tornade sur Electro Géant pour rapprocher les troupes dessus pour qu'elles meurent toutes. Ah ouais, c'est pas mal ça. On a gagné, Dogby, hein. Vas-y, viens, on va en bas et tu me dis le deck, le bouge. Dogby, par contre, la fin de la game, je sais pas pourquoi t'es parti YOLO à droite. Ouais, je sais. Alors, juste ouais, on était en train d'analyser ça. Ouais, mon frère. Alors, attends, électro géant. Électro géant, il coûte 7. Ouais. Tornade. Attends, je cache en 2 spi. On sait jamais. Moi, je fais genre, je prends un autre deck. Je pense que le gobelin serbacane, il peut être bien, non? Il fait quoi déjà, lui? Il tape vraiment vite. Il est assez fragile, mais il tape vraiment vite de loin. Vas-y, je vais prendre ça alors. Gobelin Serbacane. Attends, la tornade, elle est où sa mère? Tornade, j'aime bien, hein, j'ai joué avec tout à l'heure, j'ai pris choix de ouf. Elle coûte combien la tornade? 3? 3. Qu'est-ce que le chat, qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre?
un bâtiment, je pense. Est-ce qu'une TDE, ça peut être bien? Après, moi, je vais prendre une TDE, mais après, je mettrai des trucs pas chers. Ouais. Une bûche, on prend? Une bûche, on peut prendre, ouais. Ou squelette. Un mini PK, ça peut être bien pour counter les grosses... Ah, vas-y, vas-y, je prends mini PK, alors. Parce que je pense qu'ils vont quand même jouer... Ah, mais même moi, ouais. Ils vont quand même jouer... Valkyrie Golem aussi, ou... hein, moi, je prends une Valkyrie. Ouais, Valkyrie, j'ai pris aussi, vu que c'est une dernière carte. Ok. Là, j'ai PK, mec bourreau. Électrique, tornade, Valkyrie. Bourreau, vu qu'on a les tornades, ça peut être bien aussi. C'est quoi, bourreau? Tu sais, c'est le mec qui fait un boomerang. Ou alors, moi... Oh, quoi que... Ça, il lance un boomerang et il revient, genre. En dégâts de zone. Ah. Non, il y a peut-être mieux. Sorcier, plutôt. Ouais, mais sorcier coûte cher, les gars. Sorcier, ça coûte cher. Bébé dragon, je l'ai déjà, mais il peut peut-être le prendre aussi. Ouais, je pense que bébé dragon, c'est broken. Moi, je l'ai mis, ouais. Surtout si on a la tornade en plus. Le problème, c'est que là, moi, mon deck, il coûte cher, frère. Il coûte 3,9. Ok. Moi, il y a 3,6. J'ai un squelette à 1, moi, pour recycler un peu. À limite, un squelette attends, à 1 peut-être mettre un... Ouais, ou esprit de feu, tu vois. Ouais, j'avoue. Ça coûte pas cher et ça te permet de cycler un peu. J'ai mis... On peut mettre la princesse aussi ou c'est nul? Non, je pense pas. Ok. Non, même pas. Je mets mineur, alors. Non, parce qu'en fait, je pense que le but c'est vraiment électro-géant et on met tout derrière pour vraiment ça fasse un bus quoi. Il faut un deck clonage. Moi j'ai des espions, t'as des espions aussi. Y'a moyen. Arrête, nous on joue contre des mecs gays, hein, donc c'est. Ouais, en vrai. Artificiaire. Attendez, de toute façon, je m'en fous, je vous montre le deck, moi j'ai rien à foutre. Là, je change quoi, les gars? Lui, déjà, je dois le changer, c'est sûr, hein, mais... On tente? On peut tenter, de toute façon, après, le reste, c'est tout tirage. La première game, c'est tirage, déjà. Tirage de V2, je peux lancer, ça. Ah, c'est tirage, ouais, vas-y, go. La première, ouais. Combat amical... Attends, combat amical en tirage de V2. C'est où ça? Il est où le phénix? Il coûte combien le phénix? Il coûte 4, je crois. Comme ça, c'est lourd, non? Les gars, il n'y a pas le combat amical avant-dernier en bas. Combat amical en tirage triple. Combat amical. Oh, mais c'est du 2v2. Artificiaire, c'est qui Artificiaire? Elle a une espèce de petit bazooka. Elle coûte 3. Elle a les cheveux roses. Ok. Ah, c'est elle. À la place de PK? Oh. Tu prends le PK ou l'électro géant? Moi j'ai pris... Ah, mini PK, pardon, pas... À la place de mini PK... Non. Mini PK, en vrai, ça peut être bien si on veut détruire leur golem ou leur PK. Ok. Tu veux que je garde un mini PK? J'enlève mon phénix. Comme ça, on a une option défensive, t'as capté. Ouais. Vas-y, on fait ça alors. Moi je le prends, le mini PK, je sacrifie. Devant tes yeux, mais non, les gars, c'est le cas. Carré, frère. Combat amical. Y'a pas marqué 2v2, les gars, c'est en 2v2. Combat amical. Archer égale broken. Celle-là? T'as des bâtiments ou t'as pas de bâtiments? J'ai un canon. Faudrait que t'en aies un, je pense. Je vais enlever le bébé dragon alors, je vais prendre un bâtiment à 4. Vas-y. À 4 ou à 3. Une tombstone sinon? Je sais pas si tu gères la tombstone. Non. Une TDE?
Tesla, ils me disent. Ah, ou Tesla, ouais. Peut-être. Ça coûte 1000 là, ça coûte combien la Tesla? Et j'enlève le baby drag. Là c'est carré là. Petite bûche, petite Tesla, petite bail, c'est bon frère. Quand même montrer son deck à l'espagnol. Ah, mais les gars, on s'en fout. Et l'espagnol en face de vous a dit que votre win condition c'est électro. Le pro en face essaye de vous counter. Ah. Il y a le pro qui coach en disant que. Ah ouais. Ok mon pote, attends. T'as vu qu'on change la strat? Je vais changer le PK moi. L'électro-géant plutôt. Ouais ouais, l'électro-géant Samir. Mais en vrai, même garde-le en vrai, parce que c'est super dur, ils sont trop nuls pour pouvoir counter. Hein. Ouais, c'est vrai. En vrai, je dis ça, mais. Archer à la place d'artificiaire. Vas-y, vas-y, je te crois, Rafou, t'as l'air chaud toi. Je crois que t'es chaud de fou en plus. Carré comme ça, c'est carré de baiser. C'est carré d'encul. Bah les gars, je lance combat 2v2, y'a pas un combat tirage en tirable, en tirage. Attends, je vais essayer de voir, c'est quoi combat tirage 2v2? Bah ouais, il dit juste combat en tirage, c'est pas en mode tirage triple élixir ou j'en sais rien. Tomba. Y'a que combat 2v2 hein. Ouais, y'a que ça. Vas-y, j'ai lancé en 2v2. Tu peux me rejoindre. Vas-y, je rejoins. Est-ce qu'il a gagné? Ah, c'est... Inox et Walouf, ils ont gagné. Ça, c'est bien. Ouais, parce que c'est juste, là. Je crois qu'il y a 2 points d'écart. Ouais. C'est x2, les combats de V2, non? Pff, oh, ça aucune idée. Si, c'est x2, il écrit x2, hein. C'est-à-dire qu'on a 31-29 là. Ok. Ah non, ils ont perdu. Non, ils ont perdu, merde. Mais Amine okay. Et Billy, ils ont gagné. Ok, ça part. Ok. Au début, en vrai, en 2v2, ça met beaucoup plus de temps à charger l'élixir, donc faut pas faire n'importe quoi. Ok. Moi, j'ai mon truc à 1 là. Vas-y. Je le mets, bonne chance. J'ai l'armée de squelette pour contre le prince. Vas-y, vas-y. J'ai l'armée de squelette. J'ai enlevé son truc déjà, ça charge. Je la mets dès qu'il arrive. Vas-y, vas-y. Je vais mettre des archères, comme ça on a du DPS contre... Je vais boule de feu, je boule de feu. Vas-y, je tourelle moi, comme ça tu peux faire tes trucs. Bien joué. Ok. On voilà. Temporise. Ouais. Garde ton élixir. Moi j'ai le géant. Hein. Ouais, tu pourras le poser fond de map à gauche, quand tu veux. Ok. On met quelques dégâts, t'as vu. L'archère, elle fait vraiment mal. Ah, tes archères sont bien. Ouais. Ok. Tu le joues ? Je le mets. Vas-y. Ok. J'ai une valque. Des archères. J'ai une bûche que je vais mettre, je pense. Je vais packer tout ça avec une tornade. J'ai ma tornade après pour repacker. Je vais pas la mettre maintenant. Juste mettre une Valkyrie. Merde, on a mis double okay, Valkyrie. C'est bien. On a okay, un petit bus, carré. On a un petit bus. Ça bûche. Je prépare la tornade, j'attends la tornade. Hein. Non. Okay, en okay. Vrai, non, vu qu'il pourra pas mettre autant de troupes. Non, en vrai, c'est okay, bon. Ok, c'est carré, c'est carré. Là, en vrai, là, c'est pas mal, là. C'est carré d'encul. On temporise, on temporise. C'est on carré d'encul, frère. Push. Ouais, c'est pas mal, là. Je vais canon au milieu. Vas-y. Je vais mettre mon esprit de fire pour la canyonnir. Voilà, oh, comme ça, elle a pris des bons dégâts, ah, elle meurt. Le canon, merde, ça sert à rien. Ouais, il a pas la range, mais c'est pas grave. Ouais. Ok. Je vais mettre des petites archères pour cycler. Ouais. En vrai, toi pars avec l'électro et moi je temporise au cas où ils attaquent. Vas-y, vas-y, j'ai l'électro là, je charge jusqu'à G9. Oh, et ça okay. Repart. Ouais, l'électro il part, mon. Vas-y, bah je pars le mien aussi. Ok. Je mets mon mini PK, tu penses? Tu pourras le mettre dès qu'il arrive au pont aussi. Hein. Faut vraiment qu'il prenne l'aggro direct sur okay. le bon mob. Ok, j'attends. Je vais tornade. Je mets ma tourelle Tesla pour le fight. Carré dans le cul, je retornade. Vas-y, attention ton élixir. Je mets ma Valk. Vas-y. Attention à droite. Okay, je counter, j'ai.
Vas-y, carré. Là, normalement, on finit hein, la tourelle à gauche. Ouais, ouais, c'est bon. Maintenant, full défend à droite, on a gagné. Ils ont pas pris en HP. Hein. Je vais remettre mon géant à droite. On essaie de prendre 0 dégâts. On a déjà pris. Ah, si, on avait pris à droite, j'ai pris. Ok, bon. 10 secondes, c'est gagné. Carré dans le cul, frère. Putain, notre push avec l'électro tornade incroyable. C'est carré, mon gars. C'est carré, mon gars. C'est pour ça, là, faut des troupes avec deux. Eh oui, frère. En fait, ils peuvent counter s'ils veulent, ils connaissent rien, c'est normal. On les a arrachés, voilà. Oh, c'est pas attends, il reste quand même 4 games. Tranquille, tranquille. On est d'accord, c'est que du 2v2, il n'y a pas de tirage. Mais je sais pas comment on fait les tirages de v2. Parce que là, le chat, ça. C'est un tirage double élixir de v2, mais nous, ils nous disent de lancer juste un tirage en 2v2. On sait pas en fait si c'est le bon. Tirage. Je lui pose la question. Ouais, demande-lui, comme ça, on joue pas pour rien après. Ouais, parce que si on gagne et qu'on on annule deux trucs. Ouais, 10 et tirage. Vous pouvez. Donc vous jouez 3 fois avec le double élixir. Tirage. Et 2 fois 2v2 classique. Ok, on refait 2v2 classique direct. Comme ça, ils n'ont pas le temps de changer de deck et tout. Ouais, mais ouais, ils vont se plaindre après. Mais jamais de la vie, ils vont pas se plaindre, frère. S'ils rentrent dans la game. Ouais, fallait prendre celui-là au moment où ils ont perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, ils vont dire quoi? Bonne chance. Ah, c'est celui-là. Vas-y, moi je te laisse faire et je rejoins. Okay. Vas-y, j'ai lancé. En plus, il faut 3 rounds comme ça. On aura forcément 2 consécutivement. Ok, c'est parti. Vas-y, tirage, on y va. J'ai fût de gobelin ou géant? Géant. J'ai pris un truc à 1. Ouais. J'ai Valkyrie. Pris Royal, moi. Moi, je crie Valkyrie, moi. Boule de feu, j'ai. Valkyrie, ok. J'ai poison. Ça, moi, j'ai eu des bonnes cartes. Hein. Ouais. Ils ont pris de la belle bouse en face. J'ai la sorcière de la nuit qui est pas mal. Géant royal, moi. J'ai le géant royal, donc celui-là, il va être important. On défend et dès qu'on a l'espace, hop, on met le géant royal et on essaie de prendre la tour. Moi, j'ai un géant, moi. Par contre, eux, ils ont une roquette. Et le pêcheur, c'est sûr, ils savent pas le jouer. Parce le pêcheur, à chaque fois, je lui donnais, il savait rien faire avec. Bah ouais, personne sait jouer ça. Ok. J'ai 2 trucs à 1, moi. Faut que je les lance pour cycler, je pense. Qu'on économise. Ah ouais, vas-y, hein. Dès qu'on a 9. Vas-y. Oh, j'ai lancé un prince. Bon, ça a mis des petits dégâts. Hein. Je mets ça. Hop, il l'a bloqué. C'est magnifique. J'ai mis un bouliste. Ok, je vais mettre des chauves-souris pour gérer ça. J'ai un bâtiment. J'ai ça pour avoir la bombe. Ouais, ils en ont mais des troupes là. Oh putain, ils ont tout mis. Ils ont tout mis là. Si on défend, on est bien. Il y a un fût de gobelins. On défend, mais attention. Il va falloir préparer le counter push. Vas-y, Valky, c'est pas mal. Et c'est moi, j'ai le GR qui va arriver. En vrai, on est bien. Ils roquettent. Ils ont fait nimp. Si c'est d'élixir sur du 2v2 comme ça. Ah ouais, on est en double élixir, c'est vrai, c'est pour ça que ça va plus vite. Je remets un double bouliste. Je mets la boule de feu dans le canon là. Vas-y, j'ai gelé. Bah attention au counter push quand même. Ouais, ouais. Attends, prépare le. Ouais, défense. T'inquiète, je prépare là. Ouais, j'ai mis un arc. C'est parfait ça. Ok, mais ça, en vrai, pas besoin. Je mets un esprit de glace. Super. Hop, c'est parfait, il a tanké le coup. Ouais. L'arc X, mets-le plus au milieu peut-être pour qu'il tape encore okay. Milieu et un petit peu plus haut. J'ai mis un géant. À gauche comme un con. Ouais, j'aurais peut-être. Après, au moins, il va défendre à gauche. Ah ouais, parce qu'ils vont push là où il n'y a pas de PV. Donc moins de PV. Donc, Ah, c'est vrai. Ah, il met Valk. Attention, notre tour. Ok. Et l'arc X fait son taf. Attention, le MK. Ouais, je mets des petits trucs de merde à 1 là. Merde, t'as un truc pour le prince à gauche? Oh, j'ai rien. Merde. Ok, on laisse la tour. On va se focus sur l'autre. On défend.
J'ai mis un géant pour l'attaque. Ouais, bien. Je mets le mien aussi. J'ai boule de feu le pêcheur. Ouais, bien. Je poison, il roquette dans la panique. Ok, la bombe ce qui va. Ouais, nickel. La bombe va toucher la tour normalement. On se carré là. On défend. Il veut... Oh putain, mais j'ai pas vu notre tour principal. Wesh. Je mets un mini esprit. Vas-y. Oh putain, il donne tout. Gel pour tempo. Ok. C'est carré, ça tue pas. Oh. Allez, l'arc. J'ai boule de feu. Let's go! Oh, c'était un peu chaud. On est un peu trop commit à droite, en vrai, on avait le temps. Let's go, 2-0. Ok, incroyable. Là, j'ai mon gars. Je relance ce mode-là ou on fait le 2v normal? Je peux relancer celui-là. Je relance celui-là. Hein. Vas-y, go. On est en train de les éteindre. Ça donne quoi à côté? Inox et Walouf, ils ont gagné la deuxième game. Amin Billy, ils ont gagné la première, ils ont perdu la deuxième. Et Dwagby Gota, ils ont perdu la première. Faut qu'on 7-0, mec. Nous, faut pas qu'on perde. Ouais, pas le choix. Faut qu'on 5-0, y'a pas le choix, frère. Allez. On va les éteindre. Bon, ils étaient un peu meilleurs, là, sur celle-là. Ouais, ils nous ont fait un peu plus peur. Après, celui d'avant, on les a vraiment déchirés. C'était pas dur de faire mieux, c'est vrai. Mais là, c'est juste qu'on n'a pas vu le mec en bas à gauche. Mais sinon, on dominait tout le match. Ils ont bien joué le fût de Gobelin. Il nous a cassé les couilles. La France est devant, on sait pas. Pour l'instant, on est devant. Mais après, ça dépend. Les 2v2, ça rapporte x2 de points à chaque fois. Il y a 37-33. Faut pas que les autres se fassent dérailler ces games. Là, s'ils mettent du temps, c'est qu'ils se font coacher en même temps, je suis sûr. Bah après, là, c'est tirage, donc tu peux te faire coacher, ça change rien. Hein. Ouais, mais peut-être sur les choix de cartes ou les combinaisons. Oh, j'ai la roquette ou la foudre? Foudre. Ouais, tu sais utiliser la foudre? Bah, ça, quand tu mets, ça explose, quoi. Ouais, ça touche 3 troupes qui ont le plus de vie. Ok, j'ai le dragon laser, là, contre la princesse. Vas-y. Dragon de l'enfer. Ouais, qui met du laser là. Vas-y, dragon de l'enfer. Hein. Ouais, dragon de l'enfer. Comme ça, s'ils ont des grosses troupes, ça les a. J'ai une fournaise qui charge l'élixir ou bien un truc qui fait. À manger là. Oh, merde. Redis. Non, c'est bon, fournaise, ils m'ont dit le chat. Okay. Tout le monde a spam. Vas-y, go. J'aurais donné un truc qui charge l'élixir. J'ai le ballon, moi. Est-ce que t'as un truc pour jouer avec le ballon? Il te faut quoi? Un truc qui donne de la speed? Ouais, faut que j'attende de voir mes autres cartes, quoi. Oh, on a le mortier. Oh, la pire carte. Je vais mettre le soldat fantôme royal, là. Dès que... Ouais, vas-y, tu peux, là. J'ai un mineur aussi. Je vais mettre un mineur à droite. Vas-y. Comme ça va... Ils vont devoir le gérer. Le gère, attention, faut bien le défendre. Ça peut faire mal. Fournaise, ça fait quoi, fournaise? Vas-y, je la mets. Hein. Non, mais... Oh, ah, merde. Si, mais là, ouais. Si, ça peut le faire. Mais mets-la plus au milieu, prochaine fois. Ah, ouais, ok, j'ai capté ce que ça fait. Attention à droite. Ah ouais. Je mets une gargouille, je mets le dragon de l'enfer. Il push avec les cochons. Ok, j'ai boule de feu. Ah, golem elixir, je mets hop. Ah, mon armée, elle est pas terrible. Hein. On a pris beaucoup de dégâts, mais on a un bon contre-push. Hein. Ouais. Oh, la roquette, elle va faire mal. Ah, elle est magnifique. Ok. Ah, ton mineur il gratte, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Je mets des barbares à droite. Ouais. Mortier défensif. Attention, barbare contre bomber, c'est. Ok. Ouais, c'est ils ont la pompe. Ils l'ont mis après en fait, ça le problème. Je mets une fournaise, des gargouilles. Ok, GR à droite. J'ai la boule de feu. Oh, elle est pas terrible. Ouais, elle est pas terrible. La voleuse, regarde à gauche. Ah ouais, elle est en train de flinguer la voleuse. Hein. J'ai remis un mineur aussi. Oh, le pêcheur qui a... Ah putain, le pêcheur, j'ai... J'ai mis une fournaise, bonne chance. Regarde, mon dragon, il est en train de prendre la tour. Nickel, c'est très bien. Ah, t'as super bien joué. Roquette. Prochaine fois, ta fournaise, tu la mets vraiment... Ouais, au milieu. Attention à gauche. J'ai pas vu. J'ai mis golem élixir, je mets full. Du coup, ils vont voir de l'élixir si... dès qu'ils vont truc. Ouais, je vois bien. Le boulisque qui fait un peu le taf. J'ai ma foudre là en place. J'ai la boule de feu. Je mets les barbares en bas. Ok, carré. Oh, c'est bien.
Je mets le bulliste. Je mets le mineur. Barbare. Vas-y. Ils vont devoir gérer le mineur, ils ont pas le choix. T'as un truc ? Ouais, je mets le fantôme. Je mets fournaise aussi. Ok, on a pris la deuxième tour, on est bien. On est bien, mais nos deux tours sont quand même assez low. Hein. Ouais, ouais, ouais. Attention. Hein. Je mets le golem élixir. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Oh putain, en plus ils ont la roquette. Hein. Ils sont flingués là-bas, hein. Ils sont flingués dans leur base. Je mets un mineur dans leur base. Vas-y, vas-y. Ils roquettent pas à gauche, ils font quoi? Ils sont coincés, on est d'accord? Enfin, je pense que c'est gagné. Mon ballon, je l'ai pas utilisé une seule fois, les gars. Oh, la fournaise, okay. elle a mis bien. Let's go, let's go, mon gars. J'ai pas utilisé la foudre, j'ai troll. Je suis désolé. Ah oui, pareil, j'ai pas utilisé le ballon. Ça me faisait peur de l'utiliser. Moi, au début, j'avais peur d'utiliser le golem qui donne de l'élixir, et après, au final, j'étais obligé. Si, parce qu'il tank bien, quand même. Ouais, il met bien, frère. Il tank quand même bien. Il fait son taf, le poteau. Et le bulliste qui a fait le taf, hein, mon bulliste, ouais. Dégâts de zone, et en plus, il tank. Eh ben, on se lance un 2v2 normal avec nos decks de tout à l'heure. Vas-y. Il reste deux matchs. Là, il nous reste un tirage, un 2v2 normal. Ouais, là, okay. Je lance un 2v2 normal, vas-y. Après un tirage. Vas-y, et on termine par un tirage. Attends, j'ai le bon deck. Attends, j'annule parce que ça se trouve, j'ai pas pris le bon deck. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah si, c'est bon. Moi, de toute façon, bah, j'ai pas changé depuis tout à l'heure, donc... Ouais. Je suis obligé d'avoir le bon deck. Yo boy, yo do you hace años appointment on a dinner. Enfin, Chris Nini, elle a gagné 0 game. Elle doit être morte de... fatiguée, on va dire. Tu peux rejoindre. Ouais, désolé. Qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai répondu en espagnol. Et parce qu'il a dit quoi? En gros, il a dit, je t'invite à manger. Je lui ai dit, quel jour? Ah oui, tu parles bien espagnol, toi? Ouais. Ah, obligé, hein. Attends, mais ils ont pas rejoint. Ils vont rejoindre. Ah non, ils ont toujours pas rejoint. Comment il s'appelle? Xokas. Ouais, Xokas. Chris Chini. Chris Chini, il a rejoint ou elle a rejoint, je sais pas. Ouais, elle a rejoint, ouais. Il y a 41. Oh là là, on n'a pas le droit de perdre quand même. Non, on est obligé de gagner, mon gars. Nous, on a que des free win, on est obligé de gagner, sinon on est vraiment des merdes. Il est Chris Pix, c'est quoi? iPad, lol. Xokas, putain, il est en train de se faire coacher. Il est en train de donner le compte à un pro. Oh, Joy, non! Ah, c'est pas possible. Tu veux que je relance? Pour que ça soit dans le fil d'actu? Ah merde, c'est écrit Xo. C'est ton correcteur. Avec sa mère, j'arrive pas à écrire. Vas-y, ouais, je rejoins, mon gars. Attends, j'annule le combat et refais, je pense. Vas-y, vas-y. Ça y est, le poteau, arrête de stresser, frère. Prends tout 5-0, y'a rien. Ah, hein. Oh, putain. Ils vont jouer bûcheron clonage. Et ils vont jamais savoir le jouer, leur deck. Ah, ils sont en train de faire leur deck. Attends, ils jouent quoi? Bûcheron clonage, comment ça se counter ça, les gars? Bûcheron clonage, ça va aller super vite. Ils vont all-in, quoi. En vrai, faut bûche, quoi. Moi, j'ai la bûche, hein. Ouais. En fait, le clonage, je sais pas, je pense que tu sais, mais genre la troupe, elle est clonée, mais elle a un seul PV. Ah, ok, carré, alors. Je garde ma bûche, alors, dans ce cas-là. Ouais. Est-ce que j'ai encore la bûche, même? Au pire, tornade, en vrai, ça fait le taf aussi. Ouais. Je mets un bébé dragon fond de map. Ah, tu mets le... Ouais, okay. Je l'ai mis direct, on va voir ce qui se passe. Ok, oh putain. Ah oui, ça c'est chiant. J'ai le PK. Ah, il joue clonage, ouais. Un tornade, c'est parfait pour clonage. J'ai mis la bûche, la bûche, t'inquiète. Ok. C'est carré de baiser. Ils sont en train de tourner une vidéo troll ou quoi, là? Bon.
On s'en sort bien, mais... Bah, il faut pas lancer le clonage au hasard, ouais, ou quoi. Hein. Ouais, ni le tornade. En plus, j'ai l'esprit de feu, moi aussi, il peut one-shot. Hein. Et leur géant squelette tornade miroir, c'est super fort parce qu'il y a la bombe qui repop, tu vois ce que ah, je veux dire. Ah ouais. Ouais, en vrai, on est emmerdé, là. Hein. Je vais mettre le mien. Vas-y. Je mets le mien au pont, ils ont pas eu le temps de cycler, Vas-y, c'est quoi ? Je vais mettre des archers avec. Je pense que ça va les surprendre. Ok, j'ai boule de feu là au fond. C'est carré. Oh, la boule de feu de légende. Ah, j'ai pas la. Oh merde. Ok, t'as si, pas la sortir. Moi j'ai mis un petit bébé truc là. Je pense qu'elle aurait avancé un peu. Ok. Attention, parce que là on va prendre un contre. Attention. Je mets la Valkyrie au cac déjà. T'as une bûche ? Ouais. Elle part. Vas-y, mets la bûche de l'enfer. Oh, la bonne bûche. Ok. Attention, faut quand même défendre le reste. J'ai pas grand chose, oh, moi. On est pas bien, on est pas très très bien là. Aïe. Je mets des archers. Merde, il y en a une qui va à droite. Ah, elle va mettre des dégâts. C'est pas grave, elle va faire mal. Elle va se remettre invisible ou pas là ? Non, c'est bon. Ok, on défend. Vas-y, on défend. On défend et après on contre-attaque. J'ai ma tornade, moi. Très bien. Je bûche le tout ? Ouais, pas encore. Ah merde, j'ai bûche trop tôt. Ah, merde, je tornade. Vas-y. Attention, okay, à droite. J'ai côté droit, je l'ai. Ok. Je bûche au... Enfin, je j'ai, mis, t'inquiète, à droite. Oula, j'ai besoin d'aide à droite. Ok, c'est bon. Ça le fait. Je tornade. Ah merde, j'avais bûche, c'est carré. Ok, c'est pas mal. Allez, le bébé dragon, la tour. Ok. À droite, j'ai mis un PK, ils sont dans la merde de zinzin. Ouais, c'est bon, la merde, ouais, c'est bon. Bah, GG, hein, t'as tout fait à droite. Putain, GG, hein. Let's go, mon gars. T'inquiète, on s'adapte. On perd au début, c'est pas grave, on va revenir. On est solide. Frère, c'est trop. J'ai mis un petit PK à droite, là, il est parti flinguer tout le monde. Contre les archers, incroyable. Hein. Merci Rafou dans le chat, c'est lui qui m'a dit ça. Ouais, ils sont bien. Elles ont été up il y a pas longtemps, il me semble. Ok, et eh ben je crois que c'est l'heure de la dernière. Hein. C'est la dernière, mon gars. Faut leur mettre un 5-0 en bonne et due forme. Si on gagne celle-là, Christini s'est pris un 12-0. Pas de peine, frère. Pas mon gars. C'est un peu chiant pour elle. On est obligé de gagner, on n'a pas le choix. Ok, t'es prêt ? Moi, je suis prêt, moi. Vas-y. Toujours prêt, frère. On y va. Wow, une demi-heure pour refaire le deck. Pour se prendre une petite branlée. Des conseils de tout le monde. Au début, hein. Au début, ça, j'étais pas bien. Oh putain. Après, quand on sait que les géants, après, ça devient trop ingérable. Ils ont fait une fois leur combo avec le clone. Et ouais. Le deuxième fois, c'était un combo de clown. C'était pas des clones. Ils en ont mis un à droite. Ils en ont mis un, mais il y avait personne. Ouais. Il y avait personne. Ok. Allez. On y va, tirage. Merde. Ah, je crois que c'est la healeuse A4 là, en doré. Ouais, et c'est quoi l'autre que t'as ? Un gobelin. Prends le. On dirait Shrek. N'importe. Ah, c'est la cage à gobelin, je crois. Vas-y, je prends la cage. Ça a l'air plus simple à jouer. Géant, je prends ou foreuse ? Géant, ouais. Je pense. Ouais, géant. J'ai le géant électrique, moi. Oh, carré. Oh, j'ai les archers. Voleuse ou Serbacane ? Voleuse. Vas-y. Je sais qu'elle a beaucoup de mal à la défendre. Je pense que lui c'est pareil. Ok. C'est carré donc. Oh merde, il reste 10% de batterie. J'espère que ouais, pareil, t'inquiète, 10% t'es large. Je suis spécialiste. Oh, ok. Batterie. Je vais jouer un petit truc fond de map. Vas-y, mon gars. Hop, je mets une petite voleuse à droite. Ouais, c'est bien. Mais elle colle là encore même plus au pont. Ok. Je crois qu'elle était au max. Ouais, comme ça, hop, tu vois, tu grattes bien là, c'est bien. Je mets des petits électrocuteurs. Oula, attention à droite. À droite, j'ai rien. Oh, c'est bon, il est parti sur mon bâtiment. Ouais, mais là, j'ai rien du tout pour défendre à droite. Merde, l'électrocuteur. Ils ont beaucoup trompé Ariane, je suis un peu emmerdé là. Heureusement, j'ai les archers, hein.
Ouais, bien joué. Quand la bombe elle est partie. A droite, on peut faire un dégât de zinzin. Ouais, bon, on peut faire un 3 couronnes là. Oh là, T2, mais après il reset à T2 lui, je ouais, crois. Ouais, il reset. Ouais, c'est parfait. En vrai, là, ils peuvent rien faire. On a le j'ai mis un truc, vraiment... j'ai mis un truc. Oh là là, ils peuvent rien faire. Ça arrête pas, on continue de push de tous les côtés. Juste ça flingue, mon pote. Électrocution, Archer. On va les arracher, mon gars. On va les arracher, mon gars. Voleuse de tout part, ça pète, mon gars. Ça pète, mon gars, ça pète. Ça pète, envoie tout, frère. Cache, Goblin. S'il te plaît, frère. Comment ça, c'est pas gagné? Électrocution sur la tour. Non, attends, les trolls pas, les trolls pas. Archer, arrête de paniquer, juste envoie, ça pète, mon gars. Ça va péter, esprit de glace, on y va. Une auto-attaque. Une auto-attaque, la team. Et la voleuse qui est là. Attends, c'est pas gagné, c'est pas gagné. La voleuse, elle finit là. Non. Mais s'il te plaît, frère, arrête de chier dessus, wesh. C'est quoi qui a fini? J'ai tout mis. J'ai même pas non plus. Dès que j'avais un truc, je l'ai fait. Ça pète 3-0, une minute, on n'en parle plus. Non mais là on avait vraiment un deck de fou par rapport à eux là. On avait un deck de légende. En plus la voleuse, dès que je la mettais, ils étaient en panique. Déjà je l'ai mis niveau 1, la voleuse elle a tapé 3 fois. Ouais, non la voleuse en vrai, je savais qu'il fallait la prendre mais ils savent pas la défendre. Oh putain. Ouais, je vous dis, on avait pris les deux tours, il restait sans HP, il disait attends, on va peut-être perdre, attends, calme-toi, t'inquiète. Non mais je voulais être sûr. Ouais, vrai, c'est trop important, ça se trouve, ça va jouer une game. Non mais y'a pas de goal average, c'est si tu gagnes, tu gagnes. Ouais. C'est pas avec les tourelles. Arrête, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça, je sais pas. Oh, Inox et Waleouf, ils ont fait 3 victoires d'affilée là. Ils sont en 3-1. Regardez, ils sont encore en train de gagner là. On a 5-0, terminé. Et Rubus, je pense qu'il est éclaté. Ouais, Rubus, il est éteint. Il est en train de faire péter un câble à son pote joueur pro. Spec, ah ouais, c'est vrai, je suis toi, Spec. Putain, zéro défaite, hein, Kamel. Hein. Frère, zéro défaite. En plus, on a fini trop vite, carrément. La dernière game. On est obligé d'attendre les autres, putain. La dernière game, il doit avoir trop le seum. Je pense que c'est win. Ouais, c'est Daniel, hein. C'est la win pour la France. Ah ouais, oh les gars, let's go, je serais trop content. On remonte avec les autres, Kamel. Vas-y, go remonter. Vas-y, go. Laisse-nous focus, please. Wesh, les gars. Les gars, ça dit quoi? Attends, ils ont besoin de se focus. Laissez-nous, c'est notre dernière game. Ah bah, attendez. Allez-y. Ok, je mets une sorcière à gauche. Tu mets ça. La tornade, je mets. Franchement, je suis chaud de mettre ça devant. Hein. Oh la poudre. Ok. Et là, tu as sorti un game, ou pas? Mec. Le bus magique. J'ai juste peur parce que ce qui paraît, je leur ai donné le canon qui va nous faire chier à skip. Bon, on va voir. J'envoie déjà du Goblinos. Eh, ça a pas mec, défendu. Mec, je mets une boule de feu à gauche, je crois que ça one-shot les mobs. Bien sûr. Mec. Les gars, ça a pas marché son truc, hein. Let's go, hein. Bien joué. C'est peut-être la game qui fera la diff, hein. Allez, mon frérot. Ah, j'ai des cochons. Pas d'où ils sortent. Fais gaffe. Je te mets un autre bat. À gauche c'est bon. J'ai un phoenix, hein, sache-le. J'ai une roquette aussi. Hein. Roquette c'est... Mec, 371 de dégâts. Je rush à gauche. Oh, batterie faible. Oh. Et peut-être aide-moi à gauche peut-être. À gauche, ok, là j'ai mis un phoenix à droite, dans la panique. Mais à gauche laisse venir, là pourquoi tu mets ça? C'est trop loin là. Faut qu'on défende. Hein. C'est trop qu'on assaut là. Bon pêcheur qui rattrape un peu. Là faut qu'on mette une contre-attaque salée. Hein. Il y a beaucoup là mec. Mais ouais, on était plus en phase défensive. Je sais pas frérot. Non, t'inquiète. Oh putain. Prends la foudre. Coucou. Ça sent pas bon. On a gagné. Bon bah Gotha GG gros. On a gagné. Je crois que pas. Ah, les couilles. On s'en bat les couilles. Et frérot. Ok, ils s'en battent les couilles de nous frérot. Viens, on joue. Hop là. Allez, des cochons qui partent. Ils s'en foutent rien alors qu'on a gagné depuis une demi-heure. C'est parti. Vous avez perdu de toute façon. Hop. Tu t'es mode. Des bisous les gars. On s'est fait carry mais on s'en fout. On s'en fout. Aïe.
Merci pour la victoire. Merde, ils veulent pas comprendre les streamers espagnols, ils veulent pas comprendre, frère. Je suis pas content, j'ai gagné les... Oh, énervé, j'ai gagné. Ils veulent pas comprendre les streamers espagnols. Pas content, ici. Ils veulent pas comprendre qu'il faut arrêter de jouer contre les Français. Frère, faites des matchs contre l'Allemagne, oh non, contre l'Italie, je sais pas moi, mais... Oh non, mince alors, putain, on a perdu de vague. Wesh, ils veulent pas comprendre, frère. Mais c'est pour ça que Bouzy, il est venu avec le sourire. En fait, j'avais calculé... Ah ouais, les gars, je suis désolé. J'avais calculé avant le match, j'avais calculé avant le dernier match, en mode Inox, faut vraiment qu'on win, genre, on a mis 3-0 sur la dernière game. Nous, la dernière game, on l'a fini en 20 secondes. Voilà. Bah nous avec Doug on s'est juste fait déchirer. Ouais on a vu mais bon après c'est... Les gars, ils nous ont mis contre deux monstres, nous on a pas le niveau avec Doug. Hein. Ouais bah c'est non, mais après nous on avait un match-up très simple après, avec vous avez pris le points importants. Parce que Doug B il a pris deux games contre Alvaro en 1v1, important de fond. Merci mon frérot, c'est ce que j'avais dit au tout début. Et on l'a fait. Du coup, c'est quoi le score? 49-47. On a fait 20-20. Si vous voulez... Ah c'est 49-47. Ouais. Pour nous. Ah ouais. Ah c'est-à-dire que si je prenais pas une game c'était 48-48. Oui. Bah, en gros, il y a 29-27 en 1v1. Ok, ok, les gars, donc ouais, on est content, on a pris le win, c'était principal. Let's go. T'es en train de dire que c'est grâce à toi là. Mais, franchement, Bouzy, le mec avait 3 fois mon level. Non, mais oui. Donc, mais lui prendre une game, je suis très très content, frérot. Oui, oui, c'est très bien. Et... Les gars, j'ai toutes les stats sous mes yeux. 49-47 et déjà un gros GG à Le Bouzeux qui est le seul à ne pas avoir connu la défaite ce soir. Ouais, mais Bouzy d'équipe, forcément que j'ai pas perdu. Bouzeux, il a fait le perfect avec Kameto en 2v2, il a fait le perfect face à Christini en solo. Sinon, grosse perf d'Inoxtack qui aura perdu une seule game en 1v1, mais en 2v2, ils en auront perdu qu'une seule et gagné les 4 autres. Pareil pour Wa, qui aura voilà, eu un petit peu de difficulté sur la fin de son 1v1, mais qui s'est rattrapé en 2v2. En gagnant 4 sur 5. Amine et Billy, honnêtement, grosse surprise. Déjà la première victoire de Billy face à Mario. Elle a mis bien parce qu'elle aussi, on n'en parle pas, mais elle vaut autant que celle de chez Gotha. Ça permet d'avoir ce petit point. Billy face à Mario, il a pris une petite game en 1v1. En 2v2, ils ont pris une game aussi. GG, c'était vraiment utile. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être eux qui. Il y a des gamins dans le chat qui disent bravo à Christini qui a fait full défaite aussi. Waouh. Wow. Pas faux du coup. Elle a fait 12 défaites. Elle va aller jouer contre du coup. Attends, mais Bouzy, c'était quoi son level? C'était close ou genre vraiment? C'était close. Ouais. Pas avoir ma présentation pour toi, quoi! Moi, mais on avait les matchs les gars! Je vous jure! Non, en fait, je pense qu'on devait. Je pense que Bouzy aurait dû avoir mon adversaire, je pense, vu que c'est le meilleur de nous. Non, je suis pas le meilleur. Mais frérot, t'as gagné le tournoi, et c'était contre Michou, frérot, bien sûr. C'est pas vrai que Christini, à mon avis, il aurait préféré avoir Gotha en face, tu vois. C'est trop chaud. Le Christini, il s'est pas amusé, du coup. Non, mais c'est juste qu'elle stressait, mais elle aurait pu être meilleure. Elle a beaucoup stressé, ça se voyait, dans ses moves. Bah honnêtement, non mais GG les gars, putain, GG les gars, c'est gagné. Les gars, on rapporte 50 000 euros. Votre sac à dos insane les gars. Et on était tellement à l'aise dedans. Pourquoi les streamers espagnols ne veulent pas comprendre, frère? Pour la première fois sur le jeu. Ils veulent pas comprendre, frère, les streamers espagnols. Non, je vais laisser voir. Non, c'est pour une association, Inox. C'est pour une association. Ouais, Théma, c'est rare. T'es dégoûté, ouais. On peut pas les garder. Bah du coup je vais les prendre quand même. Je fais pas le déçu, ça les gars là. Ah, il est dégoûté, ouais. Je te jure, frère. Il est abattu, sa mère. Putain. Je savais même pas qu'on aurait une association. Ah, mais gros, c'est battu pour ça. Il voulait rembourser sa M3, c'est sûr. Par contre, Inox, t'as un série de V2. T'as des problèmes de sous, frérot, parle-nous. Inox, il a trop bien joué en 2v2. Ok, ça fait trop plaisir. Et c'est quoi l'association du coup à qui on donne? Bah, en fait, c'est, je sais pas, moi. C'est l'association Houssen. t'inquiète, pose pas de questions. Moi j'ai pas choisi d'association, mais. Eh, moi j'en ai une pour les enfants qui ont le cancer. Bah vas-y, bonne chance pour Dream maintenant. Parle à l'organisateur. Alors quoi? J'ai pas envie d'exprimer. Non, vas-y, tous les jours, mec. Mais je sais pas si nous qui choisissons. C'est pas, moi je sais même pas. C'est l'équipe qui choisit, enfin l'équipe gagnante qui choisit. Mais grave, Inox, ah bah carré alors. Moi je te trust. En vrai, Inox, ouais, moi je te trust aussi, hein, frérot, y'a aucun problème. Après, faut juste bien vérifier et tout, mais. Totalement d'accord. Une que je connais bien, c'est Imagine for Margot, vous vérifierez, mais je pense que c'est une bonne association. Ah, vas-y, on donne. Ouais, mais faudra check si c'est carré, c'est carré. C'est 50 000 balles quand même, donc faut que ce soit carré. Ouais, non, mais faut juste assurer que c'est carré de fou, c'est tout. Après, ah, y'a la tanière aussi de Bill en train de me dire dans mon chat, la tanière, où il y a une vidéo sur. Enfin, que Joker avait fait là. T'as aussi, ouais. Ouais. Non, mais en fait, heureusement que t'as lavé le pro, toi, ouais. Putain.
Bah écoute. Mais il a pas tant que ça lavé. Et encore. Non mais encore. Non mais oui non mais. Edouard Dogdog c'est un ancien pro et tout. Franchement c'est tu sais c'est des vrais match-up quoi qu'ils ont joué. Non, des on vrais a games, tous hein. apporté notre pierre à l'édifice les gars. Ah ouais, ah ouais tout le monde a gagné les gars. Mais même toi Gotha juste à game gagné. Tu vois fais la diff. Les gars merci pour le sac à dos comme j'ai dit vous êtes des cracks la France gagne encore c'est insane. C'est tout c'est comme ça l'Espagne ne peut pas gagner. Toi Gotha t'as gagné. Frérot fermez-la. Comment Amine a gagné 4 games sur. Non mais frère par contre c'est incroyable genre. Regardez. Non mais c'est comment t'as fait Amine? Tout le monde m'a dit Amine va se faire exploser et mais tout, oui, tu mets 4-3 à ton adversaire. Le mec en face avait pas de bras. Bon on est mis. Tu peux attends d'autres mis ou pas? Ouais on t'entend là. C'est bon, là c'est bon. Mais oula, attends. Ouais, wow. Ok. Non, ouais, okay. Émotion, je comprends, t'inquiète. non mais j'ai try yard que sur le set de base et j'ai joué que ça. Parce que je peux jouer que ça en tant que débutant, j'avais accès qu'à ça sur le jeu. Ouais, mais comment t'as fait pour les tirages triples et tout? Bah ouais, c'est ça, il y a plein de cartes que tu connaissais. Mais c'est pas la chance, c'est pour toi les cartes que tu connais. J'ai appris ça et je me suis dit, ça ressemble à des soldats, ça ressemble à un tank. Bah en vrai, frérot, t'es un crack, oh, hein. Le t'es un crack, hein. Oh le génie. T'as dit quoi? T'es en live? Avec Billy là. Ah, ouais, ils sont sur la chaîne de Billy. Ah, ouais. Mais genre on te voit avec la tablette, mais juste histoire de... Voilà. Écoute, moi je vais te mettre 10 ans, au début je crois que c'était quelqu'un d'autre qui jouait, je suis allé sur live frérot, c'est lui qui joue. C'est vraiment lui dans oui, c'est lui qui joue frérot. C'est lui qui joue, et écoute, frérot, c'est un crack. C'est lui qui nous fait Win Leven, parce que ça a joué en vrai sur ce match-up là, hein, qui est totalement imprévisible. Mais dis pas ça. Bah mec, t'as gagné 1, 2, 3, en vrai oui, hein, frérot. Non mais en vrai, c'est même pas un point. Les gars, en fait, si on avait gagné genre 50 à 37, tu vois, un truc comme ça, genre, bah voilà, on aurait pu perdre des games machin. Mais là, 49-47, c'est vraiment genre une game, une win qui se transforme en défaite, c'est 48-48. Bah, en 2v2, on perd, c'était perdu. Une défaite de plus. Et en 1v1, effectivement, une game, c'était égalisé. C'est ça, donc, chaque game a compté. Fallait vraiment se battre sur chacune d'entre eux. GG. À tous. Après, vous êtes des cracks, les gars. Bah, bravo, la team. Hein. Bien joué à vous. On se retrouve pour le prochain France-Espagne. Encore une victoire. Kamel. Il y a déjà 3-0. Hein, 3-0. Frère, il faut arrêter de sélectionner dans les France-Espagne. Sinon, c'est forcément victoire. C'est, ça me casse les couilles, quoi. Tout le temps, ouais. Tout le temps. J'en peux plus. Personne n'a pu détester l'Espagne, frère. Il a réussi à faire ça. Non mais tant mieux, putain, franchement, c'était pas gagné d'avance, donc content. Non, ouais, content. De fou. Et puis l'argent ira dans une association française, donc ça, c'est cool. Et donc... juste, on va bien se renseigner et tout, parce que c'est pas juste qu'on donne une association bonne chance. Ouais, clairement, ouais. Et carré comme ça, c'est bien fait, c'est tout. Ah, hein. Oh, let's go. Bon. Bah, les gars, merci à vous, ouais. Merci l'équipe. Beaucoup. Ciao, les gars. Ciao, l'équipe. GG la France. GG. Aïe. Vous êtes trop fort. Putain, c'est carré dans le cul, frère. Eh oui, poto. Je vous avais dit quoi? L'Espagne, arrêtez de choisir la France dans vos duels. Vous faites que de perdre. C'est comme le snap. Il a joué 15 fois, il a perdu 15 fois. Il faut que de perdre. Arrête, mon frère. Arrêtez, les gars. Arrêtez. OMG. Ça me termine, frère. À chaque fois qu'il y a un match contre l'Espagne, je viens sourire extra gelard. Attendez deux secondes. My CEO, GG. Putain, et voilà. J'ai stream pendant combien ça... Attends, j'ai lancé à quelle heure? 19h, il est 23h. Ça fait à peu près 4h. 4h. 4h sans LOL, le sourire est revenu. Et là, vu que je dois lancer LOL, j'ai envie de crever. La vie de ma mère, j'ai eu un instant où j'étais en mode, putain, mais là, c'est marrant et tout, mon live. Je m'amuse, je suis heureux et tout. Et là, quand j'ai quitté le Discord, je me suis dit, attends. Non, en plus les gars, avant de dormir, j'ai bien évidemment relancé une game parce qu'il y avait le patch, après je pouvais pas relancer plus. J'ai perdu une game, frère. Oh là là.